La vague scélérate était arrivée de nulle part. Un mur d'eau d'une quinzaine de mètres nous était tombé dessus sans prévenir, et la mer était redevenue calme en quelques instants. Tout d'un coup, le bateau s'était retrouvé à l'envers et envahi par l'eau. Au secours ! Où es-tu ? Ici, je suis ici ! Tim ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce que ça va ? Si ça va, tu plaisantes sans doute. On vient de chavirer, on est en train de couler ! Mais non, on va pas couler. L'eau va s'arrêter de monter quand elle aura atteint le niveau de la mer. On craint rien. On va crever, les mecs! On va tous crever! Mais non! Tenez bon! Les gars! Attrapez tout ce que vous pouvez! La cabine arrière est le point le plus haut du bateau! Maniez-vous! On va se faire percuter par un autre bateau, on va tous crever. Essaie de te calmer, ok? On va tous s'en sortir. Ça va aller, les gars. Il faut essayer de le retourner. Rêve pas, c'est impossible. Pourquoi? Quand un multicoque chavire, il peut pas se redresser. Il était mal conçu, ce bateau. Putain, quelle galère! On pourrait peut-être essayer de bricoler une espèce de mât et de naviguer à l'envers. Le bateau est aux trois quarts sous l'eau. Il est plus navigable. Et les mecs, on a de la nourriture, on a de l'eau, plein les réservoirs, on a des milliers de litres. Il nous suffit juste d'attendre. On va s'en sortir. Il faut vous détendre, les mecs. On n'avait pas d'autre choix que d'accepter la situation pour survivre. Il fallait que les gars se calment et s'adaptent aux conditions. Mais tout ce qu'ils espéraient, c'était que les secours arrivent. Fais une écoutille. Maintenant, on va pouvoir nous entendre, hein? Ça va être long avant que quelqu'un reçoive notre signal. Difficile à dire. Il n'y a pas beaucoup de bateaux dans le coin. Ce serait plutôt un avion. Il faut qu'il soit à combien pour recevoir notre signal? Ça dépend de la météo. Je n'avais pas réussi à partir le jour prévu, car mon équipage initial m'avait laissé tomber au dernier moment, et je devais en trouver un autre en urgence. Jim, viens voir. Je voulais prendre la mer avant que le temps change. John Glennie. Jim, salut. Salut. Ouais. Alors, quel temps il fait au Tonga en ce moment? Oh, ce sont les tropiques, mon pote. Imagine le soleil, les plages de sable blanc, plus de jolies femmes que t'en verras jamais. Ça me plaît déjà. J'imagine, c'est le paradis sur Terre. J'ai besoin d'un cuistot. T'as déjà navigué? Non, jamais. Un peu. Pas beaucoup. C'est pas grave, j'ai juste besoin d'un équipage pour me donner un petit coup de main. Et ça durerait combien de temps? 2 semaines maximum. Les alizés sont forts à cette époque de l'année. Et venez voir le bateau, à la marina. Ouais. C'est ça qu'il te faut, mon pote. Ça te changerait un peu les idées de t'aérer. Et toi? Pourquoi pas?
T'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Le Toubib vient de m'appeler. J'ai rendez-vous demain, mais... je suis en rémission. Le dernier scanner est rassurant. C'est une putain de bonne nouvelle. C'est génial. Le Rose Noël part dans 2 jours. On fait quoi? Vas-y, écris ce que je t'ai dit. Martha... Mais si, j'y tiens. Vas-y, écris. Quoi? Le nom de tous les gens que je devrais appeler quand t'auras coulé. Allez, s'il te plaît, fais-moi confiance. Enfin, sois réaliste, t'as encore jamais navigué. Dois-je aussi te rappeler que tu sais à peine nager? On a décidé de faire un break pour voir si notre histoire tenait la route, non? Je pensais pas à ce genre de break. Ce gars-là va te faire bosser jour et nuit. Et je te parle pas du temps que tu vas passer à gerber. T'as le mal de mer en kayak. Bon, écoute, je suis vraiment désolé de te lâcher. Mais j'ai besoin de changer d'air. Eh bien, dans ce cas, laisse-moi tes dernières volontés et les noms des gens appelés. Prends ça. Ça pourra peut-être te servir. Je t'attends dans la voiture. Elle a choisi le bon moment pour piquer sa crise, juste quand on part. C'est pas évident. Oh, Martha doit penser à tout ce qui pourrait arriver. Faut reconnaître que vous avez eu une drôle d'idée. Mais tu as raison d'y aller. C'est important. T'auras aucun regret comme ça. On se dit au revoir ici, je préfère. Tu viens pas à quai? Non. Tu sais que j'aime pas trop les adieux. Et Martha est comme moi, ce que je vois. Tout tombe pas à l'eau. T'inquiète pas. On se revoit très bientôt. Au revoir. Quoi? À bientôt. Je vous aime. Ah, oh, ça va être une aventure extraordinaire, ce voyage. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Au revoir. Au revoir, bon voyage, mon amour. Au revoir. Soyez sage avec maman. Je vous aime. Hé, pleure pas. On va serrer les coudes, tu vas voir. Où est-ce qu'elle est, ta copine? J'espère que ça va. Ah, oh, ça va aller, tu verras, Martha, calme-toi. Tu dois penser à la fête que vous ferez quand il reviendra, purée, ça va être chaud. Non. C'est pas ça. On a décidé de faire un break. Hey, Jim, tu veux bien enlever les barbatages? J'avais attendu très longtemps pour vivre cette aventure. Malheureusement, ce n'était pas avec l'équipage dont je rêvais. Mais au moins, j'avais trouvé des hommes. Une fois arrivé aux îles Tonga, j'étais bien décidé à les remplacer. Ce voyage allait me ramener vers mes anciens souvenirs du Pacifique Sud. J'allais vers un nouveau départ, de nouvelles amours et des aventures en perspective. J'avais investi tout ce que j'avais dans le Rose Noël. C'était ma fierté, ma joie, ma maison et mon refuge. Comment ça va, Jim? Il n'y a pas très bonne mine. Tu vas s'y faire. Tu te laisses? Ouais, d'accord. Et voici la météo sur la nouvelle saison de jusqu'au 6 juin. Un cyclone tropical de catégorie 5 arrive par l'est avec des vents de sud pouvant aller jusqu'à 340 km/h. Et des vagues de 6 mètres de haut. Toute la côte ouest de Terawiki à Cape Egmont va devoir faire face à des conditions météo extrêmement dégradées. Les vents vont souffler par violentes rafales et la mer sera démontée.
J'étais ravi de ce que je venais d'entendre. Avec la force du vent, nous allions arriver aux îles Tonga bien plus tôt que je l'espérais. Qu'est-ce qu'il fait ? J'en sais rien. On dirait qu'il monte une autre voile. Et forcément un avion pas très loin, dans les 100 000 nautiques. À ton avis, ils vont mettre combien de temps pour nous retrouver ? Je me demande si on se souviendra de moi, de nous. John ? Pas plus de 5 jours. Bon, allez. 5 jours et on est tiré d'affaire. Enfin, si on en croit notre oracle. J'estimais notre position à 140 000 de la côte est. La radio-balise de localisation était hors de portée des avions de ligne intérieure. Tous nos espoirs reposaient donc sur le passage d'un avion de ligne internationale. Putain, y a pas d'air ici. C'est à ton tour d'aller au fond. C'est bon, j'y vais. Oh, bordel! Ça devrait plus être très long maintenant. Il y a bien quelqu'un qui va entendre le signal. Mais bien sûr. Oh, on a eu de la chance jusque-là. De la chance. Tu veux bien me dire pourquoi on a eu de la chance? Si l'un d'entre nous avait été sur le pont quand la vague a déferlé, il serait plus là. Si on avait enlevé le spinnaker, peut-être que ça aurait été. Hé, c'était ton idée de le mettre au départ. Tu t'en rappelles? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu savais qu'un cyclone allait arriver. Tu nous as laissé y aller et tu as risqué nos vies. Partir pour un long voyage et arriver à destination, ce sont les meilleurs moments d'une croisière. Pour être tout à fait honnête, je déteste quand la mer est calme. Ça m'ennuie à mourir. Je préfère l'excitation due au mauvais temps et aux longues nuits de veille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le monde et d'emmener mon univers sur mon bateau. Franchement, tu te débrouilles pas mal, mon gars. L'impression de voler, c'est génial d'aller aussi vite. Ouais, il est rapide. C'est comme avec les femmes, j'aime quand ça va vite. Alors, qui est-ce que t'as laissé à terre? T'as une femme en Australie? Oh, je suis plus intéressé par celle qui m'attend de l'autre côté. C'est la fille qui est en photo dans le bateau? Elle. Elle, c'est la vraie Rose Noël. Ma princesse, elle est Tahiti. J'ai donné son nom au bateau. C'est l'amour de ma vie. T'en es toujours amoureux? Évidemment. Tu trouves pas que là, on va un peu vite, John? On n'est pas non plus à la minute, pas vrai? J'aimerais bien arriver avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Le temps est en train de changer. Le temps change, ça veut dire quoi? Y a un souci? Ben... y a un orage qui arrive. On va se le prendre. Il sera là très vite. C'est là que la navigation commence. L'amateurisme, c'est dangereux, finalement. Ça me plaît pas du tout, mais alors pas du tout ce temps-là. Phil avait une petite expérience dans la navigation côtière. C'est sans doute pour ça qu'il était si stressé. Et sa peur était contagieuse. Ça va durer longtemps? C'était prévu, les gars. Si vous aviez écouté la météo, vous seriez au courant. Ce foutu vent va nous emmener au Tonga en un rien de temps. T'as fait exprès de nous faire partir avec cette météo? Appelle les secours! Passe pas la radio, j'appelle les gardes-côtes! Il faut qu'ils nous envoient un hélicoptère! Allô? Je suis chez les gardes-côtes! C'est un émetteur radio courte portée. Personne ne va t'entendre. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi? C'est un émetteur courte portée! Parce que j'ai pas le certificat. Et pourquoi tu l'as pas? Parce que je trouve ça inutile, je veux pas gaspiller mon fric. Quand t'es en mer, tu te débrouilles. Mais espèce d'enfoiré! On va chavirer! Écoute-moi, on va pas chavirer. Oh. Car ce bateau peut pas chavirer. J'ai navigué des milliers d'heures sur ce trimaran. C'est juste un gros coup de vent. Il remonte à quand tes voyages à 20 ans? J'ai construit ce bateau de mes mains. On a traversé la mer de Tasman tous les deux. Tu ne crains rien, Rick, tu ne crains rien. Il nous faudra une ancre. Est-ce que t'en as une? Pourquoi faire? Mais pour arrêter de nous faire secouer comme des poignets! Oui.
Alors, t'en as une? Oui, j'en ai une. Bon, bah, alors sors-la, ça va nous stabiliser. Pas question. Elle est toute neuve. Elle m'a coûté une blinde. Le vent va tourner, ça va aller. Je propose qu'on vote. Ouais. Et ici, c'est pas une démocratie, mon pote. Va te faire foutre! Où est-ce qu'elle est? Si j'ai commis une erreur, c'est celle-ci. Celle de m'être laissé influencer par un équipage terrifié qui n'avait aucune expérience de la navigation hauturière. Le bruit des vagues qui s'écrasent contre un multicoque s'apparente à celui d'une fusillade. Ça peut être terrifiant si vous n'y êtes pas habitué. Mais c'était quoi ça? La voile a dû s'arracher. Il faut l'enlever alors. Non, c'est trop dangereux. Elle risque de nous faire chavirer. C'était une erreur de l'ouvrir. T'aurais pu y laisser les doigts. Il faut aller la couper! Non! Hé! Hey, la barre est attachée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre. Ça va s'arranger. On peut pas laisser la voile comme ça! C'est moi le skipper. Ne l'oublie pas. Va te reposer. On avisera demain matin quand le temps sera meilleur. Ça, je suis sûr que ça va vous redonner le sourire en deux temps, trois mouvements. C'est quoi? La balise. Il faudrait qu'on essaye de la programmer pour envoyer un message de détresse aux avions qui sont dans le coin. Ce sont nos vies que tu mets en jeu. Pourquoi tu fais ça? C'est le fric de l'assurance que tu veux? Je suis pas assuré. C'est pas mon truc tout ça. Moi, ce sont les dieux qui m'assurent, pas les parasites. Hé, hey, t'es à ma place, Jim. Et qu'est-ce qui va arriver si une vague retourne encore le bateau? On va se noyer avec toute cette flotte. Ça peut pas arriver. C'est pas possible. Je crois qu'il faudrait qu'on perce une trappe de secours. Je t'interdis de faire un autre trou dans ce bateau. Je veux que vous nous respectiez, lui, moi et tout le boulot que j'ai fait dedans. Va te faire foutre. C'est avec Novi que tu joues, mon gars. Si tu refuses de le faire, je le ferai. Ça me faisait mal de le voir faire ça. J'avais l'impression qu'il s'en prenait à quelqu'un que j'aimais. Mais on ne pouvait pas discuter avec Rick. Quand il avait pris une décision, impossible de le faire changer d'avis.
Retrouver l'air frais ne semblait pas les apaiser. Le fait de voir l'immensité qui nous entourait semblait les avoir plongés dans les abîmes du désespoir. L'espérance d'être rapidement sauvés semblait s'éloigner de plus en plus. C'est rien, elle va se rallumer. C'est foutu. Quand la balise s'est arrêtée, on était seul au monde. Loin des couloirs aériens et des routes maritimes les plus empruntées. Le vent, les courants et les dieux semblaient nous emmener là où ils le voulaient. Nous étions définitivement livrés à nous-mêmes. Rick ? Jim, vous venez m'aider ? Il fallait qu'on mette nos différentes côtés et qu'on arrive à être soudés. Donner un coup de main ? Je suis occupé ! Je vois pas pourquoi vous faites tout ça. Ça sert à rien. Vous donnez pas tant de mal. On fait ça pour être plus visible des bateaux et des avions. On sait jamais. Je l'ai pas fait exprès. Tu fais chier, Rick. Regarde, regarde, je sais. Oh, c'est rien du tout. Oh, ce que tu peux être pénible. Et à partir d'aujourd'hui, on rationne la nourriture. Et qui a dit ça? C'est la meilleure chose à faire. On sait pas combien de temps ça va durer. Et il faut qu'on retrouve les voiles. On fera une plongée demain. Je te l'ai déjà dit. Ce bateau peut pas naviguer à l'envers. C'est simple, on va faire un vote pour décider. Et on se conformera tous à la majorité. T'as été flic dans une autre vie? Cesse de t'énerver. Moi, je crois que tu devrais écouter tes émotions intérieures. Fais confiance à Dieu. Toutes tes histoires de religion, tu peux te les mettre au cul. Rick, passe-moi le chou. Oui, ouais, le couteau, c'est de la merde. Bon, on a une boîte de temps. Et tout à l'heure, j'ai vu un citron qui se baladait quelque part dans ce putain de bateau. Ça y est, j'ai trouvé. Quand j'étais un gamin, je voulais naviguer sur l'océan. C'était un rêve pour moi de vivre sur l'eau. L'esprit du navigateur
Fais souvent le tour du globe. À j'ai la recherche, moi, sur un foutu bateau qui n'aimait pas trop la flotte. Hey, c'est quoi cette chanson? C'est du folklore néo-zélandais. Non. Aotearoa. Faut pas que ça reste là. De par nous. C'était une vraie passoire. J'ai passé 6 mois sur un foutu bateau. J'ai passé 6 mois sur un foutu bateau. Je crois que Rick pensait que Jim l'avait laissé tomber. C'est un peu comme si on lui avait volé sa petite amie. Ou peut-être que c'est autre chose qu'il tracassait. Pendant ce temps-là, Martha, la fiancée de Jim, commençait à s'inquiéter. Normalement, il aurait déjà dû l'appeler des îles Tonga. Salut. Salut, ça faisait 3 semaines qu'on dérivait et personne n'avait lancé de recherche pour nous retrouver. Je pense qu'elle fonctionne encore, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. On y est. Ça m'étonnerait que vous réussissiez à les joindre. De quoi, Darren? Qu'est-ce que t'as dit? Vous réussirez pas à les joindre. Gordon va les appeler. Il s'est mis d'accord avec John. Mais comment ça? Gordon doit l'appeler pour avoir sa position. Mais John, lui, pourra pas l'appeler et donner le nom de son bateau. Parce que sa radio est illégale. C'est ça, leur accord. Leur accord? Je les ai entendus en parler. Gordon est censé l'appeler pour lui donner la météo. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça plus tôt? Ton père serait jamais parti s'il avait su qu'il n'y avait pas de radio. J'y peux rien. Allô? Il fonctionne comment, ce truc? Eh oh! Montez à bord! Alors, je dirais qu'ils sont par ici, plus ou moins. Ok. On va essayer. 6, 1, 2, 8.6... C'est ce qu'on avait dit avec John. Il est 8h30, il doit écouter. Argo appelle Rose Noël. Est-ce que vous me recevez? Confirmez votre position, à vous. Est-ce que vous avez dit 28 degrés sud? Merci de me répondre, Rose Noël. À vous. 28 sud. 28 degrés sud. Je suis sûr que c'est ce qu'il a dit. Il y avait un problème. Avant notre départ, j'avais rempli les réservoirs d'eau potable à ras-bord. Où étaient passés tous ces litres d'eau? Pour la première fois, je commençais à avoir des doutes quant à notre survie. Quand est-ce que tu vas jeter un œil au réservoir d'eau? S'écouler quand on a chaviré. S'écouler? Mais comment ça? Les réservoirs sont percés. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Pourquoi? Rick, c'est pas le moment de péter un plomb. Oh! Putain! Il faut que vous soyez un peu réalistes, les mecs. On va pas s'en sortir.
Je vois pas pourquoi on se casse le cul à essayer de faire un mât, ou bien pourquoi on rationne la nourriture. J'en ai plein le cul. Vous me faites tout chier. Phil. Fais gaffe, gros lard. Le couteau, attention. Récupère le couteau, espèce de connard. C'est toi qui l'as fait tomber alors que tu vas le rechercher. Hé, hey, du con. J'ai un cadeau pour toi. Mais c'est pâle, mais casse-toi. Hein. Puisqu'on va tous crever, fous le camp d'ici. Bye, bye, Phil. Mais lâche-moi. C'est quand même pas ma faute s'il y a plus d'eau. Stop, arrête tes conneries. C'est quand même un port dégueulasse. Rick, arrête. Rick, fous-lui la paix. Arrête, ça suffit. Je vais plonger pour aller chercher les voiles. J'y vais maintenant. C'est bon? T'es content? Comment ça se fait que t'as subitement changé d'avis? Parce que t'es dangereux. Quand les choses vont pas comme tu veux, tu pètes les plombs. T'es un fou furieux. Je vais chercher les voiles. Non, non! J'y vais. Toi? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas une bonne idée, Phil. Je vais y aller, je sais où elles sont. Moi aussi, je sais où elles sont. Bande de branleurs! S'il remonte pas, on aura plus à bouffer. Tu déconnes, Rick. Tu déconnes. Nom de Dieu. Rick aimait tout contrôler autour de lui. Chaque contretemps pouvait le mettre dans une colère noire. Il fallait toujours qu'il trouve un coupable à ses problèmes. En général, c'était moi, mais ça pouvait être n'importe lequel d'entre nous. Ce n'est que longtemps après que j'ai compris cette colère qui l'animait. Il sentait que le temps allait lui manquer. Que le Rose Noël n'est pas arrivé à destination. Est-ce que quelqu'un se souviendrait de quelque chose que John aurait pu dire au sujet de cette traversée vers les îles Tonga? Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois qu'ils sont partis et ils devraient déjà être arrivés. Vous arrivez sur la zone de recherche. Allô, Rose Noël. Est-ce que vous me recevez? Allô? Rose Noël. Merci, Seigneur. Je le savais. On va s'en sortir. C'était un signe. Je savais que quelqu'un veillait sur nous. Je te l'ai déjà dit 100 fois, il n'y a pas de poisson dans ce secteur. On est beaucoup trop loin de la côte. C'est un véritable désert. Ça coûte rien d'essayer. Dis donc, on pourra peut-être avoir notre ration d'eau? Non. Il n'y a aucun signe de pluie. Les gars, regardez ça. J'ai réfléchi. Quand on a chaviré, on devait être dans ce coin-là. Les courants dominants vont dans ce sens. On avance peut-être à du 10 ou 20 000 par jour. Alors, ça fait 34 jours qu'on dérive. Ce qui signifie qu'on doit être au-delà de la carte. Mais il n'y a rien, là. Rien jusqu'à l'Amérique du Sud. Ça veut dire qu'il va nous falloir 8 mois. À peu près.
Ou alors, le courant va nous ramener vers le nord, c'est-à-dire vers le continent, mais encore loin de la Terre. Et ça, ça nous rajouterait des milliers de milles. Des milliers de milles. Ouais. Soyez patients. Vous allez devenir célèbre. Mais qu'est-ce que tu fous, là? T'es en train d'écrire tes mémoires? En fait, je suis pas vraiment encore. C'est peut-être une bonne idée. À moins que j'écrive juste une lettre à mon ex. Qui ça? Rose Noël? La bonne femme qui t'a inspiré le nom du bateau? Pourquoi elle t'a largué, au fait? Elle m'a pas largué. Son avion s'est écrasé. C'était un vol de la Paname. Elle venait me retrouver. Ouais. J'ai connu beaucoup de bonnes femmes depuis ma douce Rose Noël. Beaucoup trop. Ouais, faut dire que t'es vraiment un beau parti. Sensé, bel homme, jeune, normal, quoi. Sensé, sensé. Rick, ça va? Viens, tu veux faire une partie? Ouais, allons-y. Excellente idée. Je prends le vainqueur. Ta gueule! Je sais qu'il est chiant, mais... Mais rien. Parlons d'autre chose. Phil, tu leur dis ou je le fais? Dire quoi? Fais ça à l'extérieur. Il y a trop de vent. Phil a fait tomber la canne. C'était la seule canne qu'on avait. T'as fait tomber le couteau et maintenant la canne à pêche? Tu le fais exprès, oui ou merde? Je suis vraiment désolé, d'accord? Non, non, pas d'accord. Tu fais chier, putain! T'es qu'un gros lard, un boulet! Non mais regarde un peu la gueule que t'as! Quand est-ce que tu vas enfin nous mettre dans la tête qu'il y a un doigt au-dessus de nous? Je veux juste rentrer à la maison. Je veux voir Karen. Phil, ça va aller. Ça va aller. J'ai réfléchi à quelque chose. C'est un système pour recueillir l'eau de pluie. Là, ce sont des tuyaux en PVC. J'en ai plein le pont tribord. Vous en dites quoi? J'en sais rien. Et comment tu vas les couper, les tuyaux? Tu as raison. Et si on... Si on... Si on se servait de la surface de la coque centrale comme zone de captage? On mettrait des planches de bois tout le long ici. Et jusque-là. Avec des trous qui serviront de drain ici. Et là.
Ouais. Ouais. Hey, t'es balèze, mon pote. Tu te débrouilles bien. Hein? Au fait, on a du bois? Je l'ai! L'homme peut survivre très longtemps sans nourriture, mais pas sans eau. Les semaines passant, nous avions réduit notre consommation à 5 centilitres par homme et par jour. J'espère que ça va marcher. Mais notre stock d'eau potable était quasiment épuisé. Nous mourions de soif. La déshydratation nous guettait. Rick. Quoi? Regarde. Un yacht. Va chercher la gamelle. Il faut qu'on signale. Allez, vite. Donne. Donne, donne. Arrêtez, les gars, il est trop loin, il verra rien. Ils ne pourront pas le voir, votre feu. C'est le fioul du moteur. Ça va brûler. Vas-y, vas-y, verse-le, mène-toi. Recule-toi, recule-toi. Viens, pour la fumée. Allez, maniez-vous, les mecs, allez. C'est foutu. Il s'en va. Un bateau de cette taille ne devrait pas se trouver dans cette zone. C'est un signe. Ouais, le signe qu'on n'est pas aussi proche de l'Amérique du Sud que tu le croyais. Non, c'est un signe de Dieu. Tout va s'arranger. Arrête! Arrête avec ton Dieu! Ça commence à me gonfler. Dans la vie, tout nous arrive pour une bonne raison. Ce bateau, c'est un signe. On voulait tous le voir apparaître. Ouais. Comme tu voulais que cet orage apparaisse, hein? T'es un enfoiré de première! Le Seigneur sait toutes les choses, voilà une certitude. La vérité est en toi, inutile de lutter. Encore un mot. Un seul mot, et je t'étouffe avec ce chiffon. Rick. Seigneur, je te remercie de nous avoir amenés jusqu'ici. Et je te remercie déjà pour ce qui reste à venir. Nous sommes toujours sans nouvelles de l'équipage du Rose Noël, qui a quitté Picton le 6 juin dernier, avec 4 hommes à son bord. Le trimaran aurait dû accoster aux îles Tonga vers le milieu du mois. Le bateau est aux abonnés absents depuis 6 semaines. Les recherches menées par l'armée de l'air néo-zélandaise n'ont pour l'instant rien donné. De nouvelles recherches devraient bientôt débuter en dépit du coût énorme qu'elles occasionnent. Les gars, il pleut! Les gars, il pleut! On va avoir de l'eau! Allez chercher les bouteilles! Mon Dieu, c'est génial.
Ils sont en vie. Ils se rapprochent. De la maison? Est-ce que Rick a emporté un pull blanc en laine? Non. Ah? Pourtant, je le vois avec ce pull. Qui est très joli d'ailleurs. Il a aussi des bottes en caoutchouc. Je les vois sur une île. Quelle île? Ah, j'ai demandé aux esprits, mais ils ne savent pas. Le nom de cette île est... En deux mots, 6 lettres et 8 lettres. L'esprit de Rick est ici avec nous. Il se trouve debout derrière vous. Il vient nous dire qu'ils sont sains et saufs. Ça va marcher. Poissons, hein, John? Il va y en avoir. Ils sont attirés par les crustacés de la coque. Quand est-ce que tu iras chercher les bouteilles de gaz, John? Elles doivent être complètement rouillées. Elles risquent de nous péter à la gueule. Vous savez quoi? Contentons-nous de ce que nous avons. Nous ne sommes pas assez reconnaissants. Merci, Seigneur, de nous donner cette nourriture. Et d'aider John à retrouver les bouteilles de gaz pour qu'on puisse faire cuire la nourriture. Amen. C'est ça, amen. De nombreux poissons se mirent soudain à arriver. Après 2 mois et demi de mer, le Rose Noël était devenu un véritable récif flottant. Nos repas devenaient de plus en plus variés. Des bernaches, des algues, des maquereaux. Beaucoup de maquereaux. Hé, ça vous dit une petite friture? On va pas te lâcher avec les bouteilles de gaz. T'as intérêt à les retrouver. Sinon, je vais m'en occuper. J'ai peur que tu sois pas content, car je risque d'abîmer ton beau bateau. J'y vais, j'y vais! Thank you.
Vas-y, Jim, ouvre-le. Ça sent le gaz. Tu te mets pas à genoux, John ? Pour prier ? Et voilà, c'est prêt. Équitable. Qui va avoir le gros morceau? Ils sont tous à peu près pareils. N'importe quoi. Bah demain, c'est ton anniversaire, Rick. Alors, c'est toi qui as le plus gros. Tiens, Phil, je te donne ma part. Merci. Putain, ce que c'est bon. C'est une victoire amère. Il y a des semaines qu'on pourrait manger chaud. Il savait très bien où étaient les bouteilles. Quand je pense qu'on a attendu tout ce temps pour les avoir. Avec lui, il faut se battre pour tout, comme si on souffrait pas assez déjà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Toutes les idées qu'on a, il faut qu'il les critique. Il se sert de ses connaissances en voile pour nous humilier. Hé ! Le plus important, c'est qu'on puisse faire cuire notre bouffe maintenant, non ? Vous croyez pas ? J'ai l'impression d'entendre parler, John. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore ? John nous a aidé à tout installer, non? Alors, soyez un peu reconnaissant. Arrête tes conneries! Voilà que tu te mets à le défendre maintenant! Espèce de con, tu te rends compte de ce que tu dis? Hé! Dégage! Nom de Dieu! Malgré les petites améliorations de nos conditions de vie, Rick était de plus en plus colérique et irascible. Même Jim était victime de ces terribles accès de colère. Regardez les beaux filets de viande que ça pourrait nous faire. On le ferait griller. Faut qu'on l'attrape. Super chef, Jim. Qu'est-ce qu'il peut nous arriver pour avoir tué un albatros ? La légende raconte qu'un vieux loup de mer a été condamné à hanter les mers à jamais pour avoir tué un albatros. Il l'avait pas fait frire. On devrait être pardonné. On a tellement à bouffer qu'on peut inviter des potes. Joyeux anniversaire. T'as du bol, Rick. Tu vas avoir bien chaud. C'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, et nul ne peut le nier. Pip, pip, hourra ! Pip, hourra ! Alors, mon pote, ça va ? C'est le plus bel anniversaire de ma vie. J'en reviens pas de me sentir bien ici. La plupart d'entre nous a déjà navigué sur l'océan Pacifique. Et nous connaissons John Glennie. Pour l'instant, nos demandes auprès des autorités pour lancer de nouvelles recherches sont restées vaines. Nous allons donc devoir trouver nous-mêmes de l'argent. Il faut compter environ 15 000 dollars l'heure de vol. L'un d'entre vous se souviendrait-il d'un détail que John aurait pu dire concernant les routes maritimes qu'il souhaitait emprunter ? Est-ce que vous pouvez nous assurer que c'est la voix de John que vous avez entendue à la radio ?
Non, il ne s'est pas identifié. Mais vous êtes sûr d'avoir entendu le Rose Noël? Quasiment sûr. C'est des conneries. Martha, je t'en prie. Et c'est à cause de vos conneries que les recherches se sont concentrées sur Kermadec. C'était le quatrième point de passage de John. C'était logique de le chercher par là. N'importe quoi. Karen était là, elle vous le dira. Il y avait de nombreuses interférences, on ne comprenait quasiment rien. En fait, on ne sait rien, voilà la vérité. Ce qu'il faudrait, c'est chercher d'ici à 300 milles vers l'est. Financés par les familles et leurs amis, de nouvelles recherches ont débuté pour essayer de retrouver le trimaran Rose Noël, qui a maintenant disparu depuis presque 3 mois. On vole 22 minutes à ce cap-là, puis sur zone, on tourne autour. Ok, je prends une inclinaison de 20 degrés. Ça nous avait pris presque 3 mois, mais on commençait à vivre comme un véritable équipage. Chacun d'entre nous avait une fonction. On avait de la nourriture et de l'eau potable. On aurait pu continuer longtemps à vivre comme ça. Au revoir et adieu à vous, filles espagnoles. Au revoir et adieu à vous, mademoiselles d'Espagne. Car nous avons reçu des ordres d'embarquer pour la vieille Angleterre. Et nous ne pourrons jamais nous revoir, belle fille. Au revoir et adieu à vous, filles espagnoles. Au revoir et adieu à vous, mademoiselle d'Espagne. Vous savez quoi? La prochaine fois, on prendra un bateau plus grand. C'était pas la peine de réveiller les gars. Le navire était trop loin pour nous voir. Inutile de leur faire une fausse joie. Regarde bien. Putain, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Nom de Dieu! C'est la Terre! C'est la Terre! C'est la Terre, John! C'est la Terre, putain! Je crois qu'on doit être à une dizaine de milles de la côte. John? Ça va? John? Regarde! Tu rêves pas, mon pote? J'avais plus de mots pour décrire ce que je ressentais. Du soulagement, de la joie, de la déception. Tout ce que je savais, c'est que j'arrivais au bout de quelque chose. Mais quoi? C'est peut-être ça, finalement, qui me faisait peur. Je ne savais pas trop. Les autres étaient impatients de retourner à leur vie d'avant. Le petit oiseau va sortir. Mais moi, ma vie se trouvait là, à bord de ce qui restait de mon pauvre Rose Noël. Je n'avais nulle part où aller. Vous savez, on doit avoir le record aujourd'hui. Le record? Quel record? 119 jours, dans un bateau retourné. Je suis sûr que ça doit être un record.
Enfin, John, on n'a rien à foutre. Je vous l'avais dit, les gars, vous allez être célèbres. Et si on se focalisait sur notre arrivée à Terre? Ouais, moi, tout ce que je veux, c'est retrouver ma femme et mes enfants. C'est pas vrai. Pas qu'est-ce qui est pas vrai? Quand j'étais gosse, on allait en vacances sur la Grande Barrière. C'est une île. Hein? Tu vois la montagne sur la droite? Hein? On dirait le Hirakimata. C'est la montagne de la Grande Barrière. Toutes les montagnes se ressemblent plus ou moins vues de loin. Je dirais plutôt que c'est une île d'Amérique du Sud. Non, c'est l'Hirakimata. Je le reconnais, j'en suis sûr. Mais arrête, c'est impossible. On a dérivé des milliers de milles dans l'autre sens. Tu dois te tromper. Accoster, c'est toujours risqué. L'océan qui vient frapper sur la Terre peut parfois former des creux qui sont dangereux. Le vent et les courants vous attirent de tous les côtés, comme un aimant. John, nom de Dieu, mets gilet! Inutile. Arrête un peu tes conneries, mets gilet! On était tout près de la côte. Mais comme on ne pouvait plus barrer le Rose Noël, on courait le risque de s'écraser contre les rochers. C'était quoi ça? C'est peut-être le mât qui a touché le fond. Si le mât brisait la coque du bateau, le Rose Noël risquait de se disloquer et de tous nous jeter à l'eau. On doit quitter le bateau. Ça va bien se passer, les gars. Dieu veille sur nous. Je vais nager jusqu'à la côte. Je te suis. C'est trop dangereux. Tu devrais rester là, tout ira bien. John! Il y a un requin, John! Rejoins le bateau! Non! Il y a un requin, John! Dépêche-toi! Vas-y! La corde, la corde! C'est bon, John! Tu vas y arriver! Nage, John, nage! Allez, vas-y! J'étais complètement épuisé, exténué. Mais à part un hématome à la tête et un genou abîmé, j'allais bien. Merci. Merci. Finalement, après des mois à affronter le danger, à lutter contre les orages et les tempêtes, nous avons réussi à toucher terre sans problème. Après nous être approchés le plus possible de la plage, nous avons quitté le Rose Noël pour rejoindre la Terre. Quoi, John? Tu pries? Fallait pas vous inquiéter, les gars. J'ai toujours su qu'on s'en sortirait. Louons le Seigneur. On va juste dire qu'on a eu de la chance. Je crois que ça suffira. Bien sûr qu'on a eu de la chance. Qu'est-ce que je vous avais dit? La terre ferme. Merveilleux. On n'a jamais été en danger. Pas une fois. Grâce à toi. Le sac, où il est passé? Quelqu'un le voit? John? Viens avec nous. John. Tu vas pas me dire que c'est pas un Pohu Takawa, cet arbre, hein? Je te dis qu'on est en Nouvelle-Zélande. Venez, les gars. Il y a un chemin. Thank you.
Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On pète un carreau? Non. Il doit y avoir une clé quelque part. Je vais faire à manger. Pardon ? Pas de tonalité. J'étais en état de choc. Je me retrouvais dans une vraie maison après tout ce temps. Tu crois toujours qu'on est en Amérique du Sud ? Nom de Dieu, t'as vu tout ce que j'ai trouvé ? Je n'arrivais pas à partager leur joie, ni leur frénésie de nourriture. Je ne pensais qu'à mon pauvre Rose Noël qui dérivait dans la baie. Tout ce que je voulais, c'était retourner à bord. Mais je n'en avais même plus la force. Un autre verre ? Ah, merci. T'es un vrai ami. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Une espèce de ragoût. Tu veux que je t'aide ? Non. Ça va. Je m'éclate. Santé. Santé. C'est un vrai festin. Dans ce palais, on est 4 gars. Super, super chanceux. Ça, c'est sûr. Un toast. Avec un peu de chance, demain, on pourra téléphoner et quitter cette île. Et alors, on ne sera plus jamais tous les quatre tout seuls. Enfin, pas comme ça. John, je voulais te remercier pour nous avoir tirés d'affaire. C'est grâce à toi, Syl Rose Noël, a veillé sur nous comme une mère. À John. À John. Je sais pas pourquoi t'étais aussi convaincu qu'on allait être sauvés. Et je t'en supplie, épargne-nous tes grandes théories à la con, mais... Bien que ce soit dur à admettre, faut croire que t'avais raison, finalement. À la tienne. Écoutez... Je vous aime beaucoup, les gars. Et j'espère... J'espère que, après tout ce qu'on a partagé, nous resterons toujours amis. Des amis célèbres. On va avoir une médaille. Ouais, à l'amitié. Oh, le dessert. J'arrive pas à dormir. Comment va ta tête ? J'ai mal.
Ouais, j'arrive. Je peux vous aider? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Où on est? Comment ça? C'est l'île de la Grande Barrière? Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous êtes qui? On est l'équipage du Rose-Noël. C'est le trimaran qui a disparu? Exact. Non. Tout le monde dit que vous êtes mort. Enchanté de vous rencontrer. Si votre bateau était arrivé de l'autre côté de la baie, c'est 4 cadavres que j'aurais retrouvés. On a eu de la chance. Tenez. Allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Heather, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Rick? Ouais. Oh, Rick? Oui, c'est moi. Je t'avais pas reconnu, désolé. Oh! T'es là? Oui, je suis là, chérie. Oh, mon chéri! J'arrive pas à y croire, c'est pas possible que ce soit toi. Oui, c'est moi. On est sur l'île de la Grande Barrière. Et on va bientôt partir pour Auckland. Non. Prends le premier avion avec Mathie. Oui, bien sûr. Oh, chérie, je suis si heureuse. Mathie. Mathie, c'est papa. Oh, chérie. À très vite, chérie. Votre port de départ? Picton. La date du chavirage? Allô? Martha. C'est moi. T'es là? Oui, oui, bien sûr que je suis là. On va prendre l'hélico pour Auckland. Est-ce que tu pourrais prendre un vol et me retrouver là-bas? S'il te plaît, Martha. Ok. Merci. Au revoir. Bon, alors. Vous m'avez dit avoir aperçu un yacht. Oh, écoutez. Oh, mon Dieu. Mon chaton, c'est gros nounours. Oh, oui, mon amour. Oh, tu m'as manqué. Oh, oui, je sais. Oui, je sais. Il faut que tu prennes. Il faut que tu prennes l'avion pour Auckland le plus vite possible. Et que je tu... t'aime, chérie. Au revoir. Oh. John, c'est à toi. Non. Quant à votre survie, pas du tout. Je peux savoir pourquoi? La foi. L'indéfectible foi. Monsieur Glenny, je suppose? Oui. Ross Lang, ministère des Transports. Capitaine McKinley. Ça vous ennuie quand on vous pose quelques questions? Non. Vous aviez un journal de bord, monsieur Glenny? Oui. Est-ce que vous savez où il est? C'était tellement inattendu. Non, mais vous rigolez? Ça peut pas attendre. Si vous voulez qu'on vous croie, monsieur Glenny, vous feriez mieux de collaborer. Après tout ce qu'on avait vécu. Comment avez-vous fait pour vous alimenter tout ce temps où vous avez dérivé? Ah. Rick! Rick, chérie!
J'avais du mal à comprendre comment nous avions pu endurer tant d'épreuves et être traités avec autant de suspicion. Je ne sais pas ce que ces hommes ont bien pu faire pendant 119 jours, mais ils n'ont pas dérivé sur l'océan. Et ce n'était que le début. Nous n'imaginions pas encore ce qui nous attendait. Personne ne nous croyait. Tu vas la fermer ! Bon sang, Mati ! La plupart des gens se demandent où et comment ces quatre hommes ont puisé la force et le courage de passer les mois de juillet, août et septembre à dériver sur l'océan Pacifique. Les membres du ministère des Transports sont en train de retracer le voyage de 119 jours de Rose Noël à l'aide d'un ordinateur. Ils sont en trop bonne forme physique pour avoir fait ça. Ils n'ont aucune trace de blessure. Où étaient-ils pendant tout ce temps? Je suis certaine que ce sont des trafiquants de drogue. C'est invraisemblable autrement. Ils se foutent de notre gueule, c'est des conneries ce qu'ils racontent. J'y crois pas une seconde. Comment ont-ils pu dériver pendant si longtemps sans que personne ne les repère? C'est tout simplement inconcevable. Que les choses soient bien claires, ce qu'ils disent avoir fait est humainement impossible. Les conditions météo sont beaucoup trop rigoureuses à cette époque de l'année. Au-delà de l'euphorie, de la joie et du bonheur de l'équipage et de leur famille, certaines questions sont soulevées. Le ministre des Transports vient d'ailleurs de demander l'ouverture d'une enquête au sujet de la présumée disparition et dérive d'un trimaran pendant 119 jours, si l'on en croit les dires de son équipage. Alors John, qu'avez-vous à répondre à tous ceux qui refusent de vous croire ? Avez-vous une autre version de l'histoire ? Vous savez, j'en ai rien à foutre que personne ne nous croit. Jim, viens voir, il y a John à la télé. Nous avons dérivé pendant tout ce temps. Et nous ne devons notre survie qu'à notre courage, notre intelligence et à l'attention que nous nous sommes portés mutuellement. Jusqu'à mon dernier jour, je serai reconnaissant à Phil, à Rick et à Jim. Ils ont été les meilleurs équipiers dont je pouvais rêver dans de telles conditions. Si vous me regardez, les gars, je vous remercie encore. Il fallait qu'un miracle se produise et nous avons eu cette chance. C'est ce que nous a dit le skipper John Glennie. C'est n'importe quoi. Le trimaran chaviré est dérivé pendant 119 jours. Non, ma chérie, n'y va pas. Après avoir résisté à de nombreuses tempêtes, le Rose Noël s'est brisé en mille morceaux hier après un gros orage sur les rochers de la baie où son équipage avait pu accoster. Monsieur Glennie est retourné sur l'épave de son bateau en hélicoptère. Il était accompagné par des enquêteurs de la marine qui essayent de comprendre comment le Rose Noël a pu réussir à boucler un tel périple. Regardez ça. Je me suis peut-être trompé. C'est peut-être la plus extraordinaire histoire de survie jamais arrivée en Nouvelle-Zélande. Comment quatre hommes ordinaires ont-ils réussi à s'en tirer dans un bateau retourné en plein océan pendant presque quatre mois ? Leur histoire est tellement extraordinaire que nombreuses sont les personnes qui refusent d'y croire aujourd'hui. Mais le rapport fourni par les autorités accrédite leur version de l'histoire. Cette enquête, avec de multiples détails scientifiques, a fini par prouver et démontrer que c'est l'absolue et entière vérité. Les faits sont véridiques et racontent une extraordinaire histoire de survie sur l'océan. Le skipper du Rose Noël, John Glennie, a dit que leur rapport était clair et très explicite. Glennie a dit que c'était la seule réponse aux questions que tous se posaient. Malheureusement, 8 mois après notre retour, Rick mourut d'une tumeur au cerveau. Jim le soigna jusqu'au bout, puis reprit ses études pour devenir infirmier. Phil reprit la mer. Il traversa même le Pacifique à plusieurs reprises et eut un autre enfant. Mais malgré la terrible épreuve que nous avions surmontée tous les quatre ensemble, après avoir quitté l'île, je ne revis plus jamais Rick, Phil ou Jim.